Bonjour, vous vous trouvez ici dans le local du Phénix. Il est situé à Stambert, près de Verviers. Vous voyez là la partie du dessus, c'est là où on demande une petite participation du budget pour pouvoir mettre une tenture anti-feu, car nous sommes obligés pour les pompiers d'avoir une tenture qui résiste. Plus tard, nous ferons le plafond, mais pour l'instant, les pompiers sont d'accord que ça soit ainsi. C'est donc ici qu'il y aura une partie du budget qui va être consacrée, mais il y a mieux que ça. Alors, comme disait ma maman, ah voilà mon chien, comme disait ma maman, il ne faut pas regarder le bazar, mais regarder le cœur de la maison. Alors, voilà le couloir qui sera bientôt refait, enfin, on va y faire une pièce en plus, mais c'est surtout pour aménager notre jardin que nous avons besoin de vous. Alors, de nouveau, ne regardez pas le bazar. Les pneus serviront à faire des plantations et les pneus seront décorés. Mais voilà, nous avons placé il n'y a pas longtemps notre grande tonnelle. Alors, grâce à une fondation américaine qui gravite autour de la fondation Roi Baudouin, nous avons pu avoir de l'argent pour notamment payer la main-d'œuvre pour faire un trou. Un immense trou qui va servir pour notre mare. Regardez, alors tout va se passer ici. Nous appelons ce local, enfin ce jardin, le jardin du Phénix. Du Phénix parce que nous renaissons un peu de nos cendres car le coronavirus nous a fortement impactés. Donc là, nous avons de l'argent pour mettre une bâche. Mais pour tout le reste, ben, nous avons besoin de vous. La terre que vous voyez ici va être mise là, le long de la clôture, dans une technique qu'on appelle la lasagne. Donc il va y avoir une butte ici, imaginez là une butte. Là où vous voyez les tonneaux bleus, il va y avoir des tours à fraisier. Et nous avons besoin d'un subside pour pouvoir mettre sous la tonnelle des dalles gravier, ainsi que du gravier de décoration. Voilà, le jardin, ça c'est le jardin de voisin. Donc il y a du boléo, il y a du potentiel, et on a besoin d'aide. Je vais vous montrer maintenant la partie potagerie même. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est vide, mais ça sera bientôt rempli. Et voilà nos bacs pour cultiver. Alors, l'idée, ça sera de les décorer avec des morceaux de bois qui sont là dans le fond, mais tout autour. Donc ça va faire, ça va être fait avec l'équipe. Et on va mettre des plantes. Il va y avoir aussi des genres de banderoles qui vont passer d'un arbre à l'autre. L'idée, c'est de mélanger les couleurs, les odeurs, les goûts, et pouvoir accueillir ici donc des écoles, à la fois pour montrer un petit peu ce qu'on fait en jardinage, et surtout, surtout, pour créer ici tout autour un espace vraiment convivial où nous pouvons montrer la mare et créer un endroit pour les contes. Grâce au jeu du Scrasami, nous sommes capables donc de créer des histoires avec les enfants et on va leur proposer de les raconter au bord de l'étang. Donc voilà, il y a du devenir, mais il y a encore du boulot et on compte sur vous. À bientôt, merci beaucoup.